Bonjour mes chers copains, aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble le scénario Sans Petit Pont, réalisé d'après lui même titre de Yon Krang. Vous êtes d'accord? Oui! On était de compères, sont partis en voyage. Un d'entre eux avait dans son sac Japon et l'autre en avait deux. Ils sont commencés à avoir faim et se sont arrêtés devant un puits, puis à l'eau fraîche pour casser la croûte. Juste au moment où ils ont tiré de leur sac, le pont en inconnu s'est approché d'eux. Bonjour, mes chers. Bonjour. Je vois que vous déjeunez tous les deux. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger? Parce que je n'ai rien pour manger et il n'y a aucun magasin d'alimentation où je pourrais acheter. Viens manger avec nous. On a aussi un puits d'eau fraîche et ton va étancher notre soif. Les trois personnages se sont assis et ils ont avalé comme des affamés leur petit pont. Le voyageur étranger tira de son sac sans lait et les donna au promeneur qui a eu trois petits ponts. Recevez, bon gens, cette petite somme de ma part. Pour votre gentillesse et votre bonté de m'avoir donné à manger quand je vais plus avec vous. Je vous remercie de tout mon cœur. Nous ne voulons pas être payés. Sans sang et sauf, nous ne voulons pas être payés. Ce n'est qu'une petite attention pour votre amabilité. Au revoir, bon gens. Les deux amis sont restés une fois à bavarder à l'ombre. Voilà mon cher, ta part. Du pain, t'as eu du lait tous les soirs et moi j'ai trois laits parce que j'ai eu trois pains. Pardon, l'homme aurait plus rien nous donner, mais si nous a donné, on doit le partager également. Comment on nous a payé? Ça signifie que nous avons mangé gratuitement. Du pain, t'as eu, du lait, c'est ta part. Moi, j'ai eu trois pains, j'ai pris trois laits. C'est le plus juste jugement. Non, ce n'est pas vrai. Allons voir le juge et comment il dira, ce sera. Comme ça, ils se sont déplacés vers le juge et lui raconta l'histoire. Et vous, monsieur, vous n'êtes pas content du jugement de votre partenaire? Non, monsieur le juge. Combien de points a une totalité, monsieur? Deux. Et son partenaire de chemin? Trois. Combien de points il y a eu en totalité? Cinq. Combien de points sont restés après avoir mangé les trois promeneurs? Un. Vous croyez que le promeneur qui a partagé l'argent l'a bien fait? Oui. Bon, alors c'est à moi de faire le jugement. Si on coupe chaque pain étroit, combien de morceaux aurait le voyageur qui avait deux ponts? Six morceaux. Et combien de morceaux aurait le voyageur qui a eu trois pains? Neuf. Et en total, on aura combien de morceaux? Quinze. Les voyageurs ont bien partagé les ponts? Ils ont également partagé. Combien de morceaux pour chaque voyageur? 5 morceaux. Combien de morceaux a mangé l'étranger d'un voyageur? 1 morceau. Et de l'autre voyageur? 4. Combien de lait coûte un morceau de pain? 1 euro. Et pour 4 morceaux de pain? 4 euros. 4 euros. Maintenant, tu dois rendre à ton partenaire 1 euro de ces 2 euros. Qui est reçu? Est-ce que le jugement a été correct? Oui! Le voyageur est parti plus du haut en redonnant une monnaie de 1 ron à son partenaire du chemin. Si lui a reçu, le cadre ron a été très étonné d'un tel jugement. Merci!